La princesse Marie de Danemark aura 50 ans le 5 février prochain. De ce fait, des dispositions ont été prises afin de marquer cet événement. Il s'agit notamment de deux expositions distinctes sur la vie de la princesse héritière du Danemark dans différents musées. Les festivités débuteront le 31 janvier 2022 avec l'inauguration de l'exposition Marie et les princesses héritières au musée de Koldingu. D'ailleurs, une visite a déjà été faite par Marie de Danemark au musée en prévision de l'une de ces deux expositions sur sa vie. En outre, le Palais Royal a annoncé de nombreux autres événements pour marquer l'anniversaire de la princesse héritière. Par exemple, le zoo de Copenhague compte mettre en place une nouvelle installation pour abriter des animaux australiens. Ce qui est un clin d'œil particulier pour l'ancienne patrie de Marie de Danemark. Si est-il la princesse elle-même qui lancera la construction du jardin australien de Marie. Ce dernier sera officiellement inauguré à une date ultérieure. Une magnifique exposition pour les 50 ans de la princesse Marie de Danemark. Le contenu de l'exposition prévue pour l'anniversaire de la princesse Marie de Danemark a déjà été révélé. En effet, elle comprendra sa célèbre parure ainsi que sa robe et son bandeau bleu du baptême de son fils, le prince Christian, en 2006. En outre, des projections seront utilisées pour que la princesse Marie, elle-même, puisse guider les visiteurs à travers l'exposition. Elle expliquera notamment comment sa vie a changé depuis son mariage en 2004. Une princesse héritière doit relever le défi d'occuper une position absolument centrale dans un pays étranger, confie la princesse héritière Marie de Danemark dans l'exposition. L'exposition concernera également les quatre prédécesseurs de la princesse. Notons également que la princesse héritière Marie de Danemark est la seule princesse qui ne soit pas issue du milieu royal.